8 Européens sur 10 de plus de 35 ans souffrent de maladies parodontales. Ces maladies, vous le savez, peuvent entraîner la perte des dents et affecter le reste du corps par toute une kyrielle de mécanismes directs et indirects. Cela explique qu'elles représentent une cause majeure des dépenses de santé dans la population adulte et âgée. Quel est l'impact des maladies parodontales sur la santé générale de nos patients? Plus de 30 ans de recherche ont montré que la parodontite est associée de manière significative et indépendante aux principales maladies inflammatoires chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète, la polyarthrite rhumatoïde, les maladies rénales chroniques, l'obésité, les maladies pulmonaires obstructives chroniques et même la mortalité prématurée. Pourquoi et comment est-ce possible? La présence d'une grande quantité de bactéries dans les poches parodontales et les molécules issues de la réponse inflammatoire peuvent passer dans la circulation sanguine générale et affecter les autres parties du corps. Ce phénomène inflammatoire direct ou indirect peut augmenter le risque de souffrir de maladies systémiques. En 2017, la Fédération européenne de parodontologie et l'Académie américaine de parodontologie ont réuni des experts du monde entier pour faire le point à ce sujet. À propos des diabètes, en Europe, la prévalence des diabètes est de 6,8%. Et nous savons aussi que les parodontites sévères affectent le taux de glycémie des patients diabétiques. Parallèlement, des études scientifiques montrent que le traitement parodontal couronné de succès améliore l'équilibre de la glycémie. Il existe bien un lien bidirectionnel entre ces deux maladies. Concernant les maladies cardiovasculaires, ce sont la principale cause de décès dans l'Union européenne, tuant plus de 2 millions de personnes par an. Selon le rapport de la Fédération européenne de parodontologie et de la Fédération mondiale du cœur, il existe des preuves épidémiologiques solides que la parodontite augmente le risque de maladies cardiovasculaires athérosclérotiques. La parodontite chez les sujets atteints de maladies rénales chroniques est associée à une mortalité plus élevée en comparaison des patients atteints de maladies rénales chroniques sans parodontite. Les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ont une incidence beaucoup plus élevée de maladies parodontales que les sujets sans polyarthrite rhumatoïde. De plus, il existe un schéma dose-réponse dans l'association entre la gravité de la parodontite et l'activité de la polyarthrite rhumatoïde. Que savons-nous sur l'obésité? Il semble exister une association entre obésité et parodontite, bien que l'ampleur de ce phénomène ne soit pas claire. La bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, des études ont montré que la présence de parodontite sévère augmente la probabilité de survenue d'une BPCO. Citons également le cas de la grossesse qui n'est bien sûr pas une pathologie. La parodontite chronique a été reconnue comme un facteur de risque potentiel d'issue défavorable de la grossesse, comme par exemple l'enfant prématuré ou de petit poids. L'élimination efficace de la plaque dentaire par la patiente associée à des nettoyages professionnels sont sans risque lorsqu'ils sont mis en œuvre pendant la grossesse. Ce programme prophylactique est efficace à la fois pour réduire l'inflammation gingivale et pour permettre le maintien de la santé parodontale pendant la grossesse. Au final, que retenir? Premièrement, la parodontite est associée de manière significative et indépendante aux principales maladies inflammatoires chroniques. Deuxièmement, le diagnostic précoce de maladies parodontales et sa prise en charge représentent un enjeu majeur de santé publique auquel tous les chirurgiens-dentistes doivent participer. Troisièmement, en présence d'une maladie parodontale, il faut systématiquement connaître l'état de santé général du patient. Et ainsi, penser à actualiser l'anamnèse médicale du patient, suivi pour le maintien de la santé parodontale tout au cours de sa vie. Notre rôle, dépister les maladies parodontales et ainsi parfois certaines maladies générales. Informer clairement le patient porteur d'une maladie parodontale de l'impact possible sur sa santé générale ou sur l'évolution d'une maladie systémique déjà présente. Ainsi, le patient diabétique va savoir que le traitement parodontal peut aider à équilibrer sa glycémie. Une patiente envisageant une grossesse, que le traitement parodontal avant la conception serait très bénéfique pour réduire le risque d'issue défavorable d'une grossesse. Nous devons aussi proposer un bilan médical si nécessaire pour rechercher une maladie générale en cas de doute. Et enfin, prescrire des facteurs de prévention efficaces des maladies parodontales, des instruments d'hygiène parodontale adaptés et des dentifrices à effet antiseptique adaptés. En conclusion, si la présence de maladies parodontales augmente le risque d'apparition de certaines maladies générales, pourrait-on dire qu'une bonne santé parodontale maintient ou améliore la santé générale de nos patients? Définitivement oui.